Alors bonsoir, première question. Que représente pour vous ce prix Henri Langlois ? Le prix Henri Langlois, c'est une des rares, d'abord c'est une des rares manifestations autour du cinéma qui se passe à Paris, voire même en Ile-de-France. Mais c'est incroyable, mais quand même, la France qui est un des pays de création du cinéma, hein, avec les Frères Lumière, il ne se passe pas grand chose à Paris. Les activités sont souvent à Deauville, à Cabourg, à Cannes, mais pas à Paris. Donc il y en a une, il faut la soutenir. En plus, Henri Langlois, c'est pas n'importe qui. Il a quand même créé la Cinémathèque. Donc c'est bien de rendre hommage à cet homme, à son œuvre, au cinéma qu'il a fait. Et puis nous, on est des enfants de ça, quoi. Donc voilà. J'enchaîne sur le cinéma, du coup. Le cinéma a toujours été un pont universel entre les cultures, un espace pour la liberté d'expression. Quel est, selon vous, le rôle du cinéma dans le monde d'aujourd'hui ? Le cinéma, c'est un art, c'est le septième. A priori, Internet va être le huitième, mais personne ne l'a défini. Donc, c'est un vieil art maintenant, un vieil art. Pas mal le jeu de mots. Mais c'est un art qui est fondamental parce qu'il doit raconter des histoires, il doit témoigner des époques. Il a un rôle historique, un rôle social, un rôle politique, forcément, un rôle de distraction. Donc l'importance du cinéma, elle est comme tout, si vous voulez. Imaginez que demain, il n'y ait plus de cinéma, les gens n'iraient plus au cinéma. Waouh ! Ce serait triste. C'est incroyable à dire, mais il continuerait quoi, à allumer la télé ou à aller chez Auchan et Carrefour, pour trouver des endroits de collectivité. Quoi. Je déconne, c'est de la plaisanterie, mais le cinéma, c'est... Voilà, c'est pas pour rien que c'est ma passion. Hein. On enchaîne. Enchaînement parfait avec l'histoire de passion. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous inspire ou vous fait rêver dans la vie ? On n'avait rien préparé, tous les deux. Hein. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui dans la vie ou vous fait rêver ? Et où vous fait rêver, pour le coup ? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui dans la vie ? Hormis la vie elle-même. Oui, voilà. Bien sûr, mais... C'est peut-être ce mouvement perpétuel, là. Ces trous qui tournent, les morts, les naissances. On est de passage, on arrive, on meurt, d'autres arrivent... ce passage de relais avec les enfants. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je t'en prie.